avec l'arrivée des assureurs, l'Internet et les modes de consommation et de comparaison notamment, la mutuelle est obligée de s'adapter à ce milieu qui devient de plus en plus concurrentiel. Commerce, marketing, fidélisation étaient encore tabous il y a quelques temps. Pour répondre effectivement à ces enjeux, MGP s'est doté d'un plan stratégique qui vise à optimiser et à outiller le réseau de distribution commerciale. La GRC est l'outil du plan stratégique. Nous avons choisi Microsoft Dynamics car c'est le produit qui est le plus homogène sur l'ensemble des trois briques fonctionnelles que nous souhaitons, à savoir le marketing, la distribution et le back-office. Nous avons choisi le couple Microsoft Business et Décision. Business et Décision, pour la partie intégrateur, ce sont eux qui avaient le meilleur vertical santé, la plus grande expérience de déploiement de GRC au sein du milieu santé. On avait un objectif fort de planning, puisqu'on remplaçait une solution existante, donc il était important d'arriver sur le bon timing en termes de projet, et puis il fallait absolument avoir l'adhésion des utilisateurs. Donc on a réussi à créer une cohésion d'équipe avec deux objectifs communs, et on a tous réussi à avancer vers cet objectif main dans la main. Donc c'est vraiment une collaboration très intéressante et un plaisir de travailler pour la MGP et pour Microsoft. Nous avons été amenés à solliciter Microsoft au cœur de son dispositif au travers de MCS, donc Microsoft Consulting Services, pour principalement deux missions. L'une, valider l'ensemble des développements qui a été fait, mais également avec une casquette d'experts. Alors, nos besoins étaient d'avoir cette vision 360 degrés de nos clients pour pouvoir les aborder, notamment sur la partie fidélisation, de la manière la plus optimum possible. Cette vision 360 du client et cette historique qu'on a sur nos clients nous permet aussi d'avoir une proposition qui colle à ses besoins. Dynamics, ça nous a permis de figer un process de vente qui était dans toutes les têtes, mais qui n'était pas formalisé. C'est important pour nous, dans chaque projet que nous menons, d'impliquer les métiers dans nos phases de réalisation. Donc la méthode que nous proposons, elle est celle-ci, c'est tout de suite intégrer les métiers dès la phase de cadrage pour bien définir les processus avec eux. Et ensuite, une fois que ces processus sont bien définis, travailler avec eux dans les phases de réalisation afin de paramétrer l'application en fonction du besoin. On a besoin d'un mode hors connexion parce que nos ventes se réalisent beaucoup hors des agences. Donc cette notion de mobilité était très importante pour nous, et aussi pouvoir mettre en place notre stratégie cross-canal, c'est-à-dire servir notre client comme il veut, quand il veut, où il veut. Grâce à Dynamics, on a déjà un reporting qui est en temps réel, c'est-à-dire que moi, à n'importe quel moment de la semaine ou du mois, je sors les statistiques dont j'ai besoin et je les analyse. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir des analyses beaucoup plus fines et beaucoup plus poussées sur l'activité de mes collaborateurs et de mes équipes.